Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver Très content d'être avec vous encore une fois Pour passer en revue l'actu des séries Avec Julia Gabrielle et Nora gandour Qui sont à mes côtés Bonsoir mesdemoiselles, bon merci d'être là Pour parler de la suite Du succès euh, D'un des très gros succès de 2021 Pour TF1, diffusé en juin 2021 Le Saut du Diable avait réuni plus de 6 millions De téléspectateurs euh, En diffusion euh, simplement sur TF1 Sans compter le replay euh, C'est un an et demi après que la suite arrive le Saut du Diable 2, Le Sentier des Loups et euh, on est très heureux d'avoir avec nous euh, bah, celui qui est le héros de, ce, de cette collection d'unitaires maintenant parce que ça en fait déjà deux et peut-être qu'il y en aura d'autres, quelqu'un qu'on suit depuis des années, on va en reparler tout à l'heure parce que moi j'ai découvert dans une formidable série qui s'appelait Greco sur, euh, sur France 2 que j'avais beaucoup aimé, bonsoir Philippe Basse. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de, de vous accueillir parce que c'est vrai que bah, on vous suit depuis des années. Moi, je vous ai vu aussi dans Profilage évoluer dans cette série euh, pendant, euh, pendant 7-8 saisons même. Oui. Euh, et euh, c'est un plaisir de vous avoir enfin dans ce studio. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser. On est là à quelques jours, hein, lundi prochain, le Saut du Diable 2, le Sentier des Loups arrive sur TF1. Euh, je l'ai dit, le premier a été un gros succès. Alors comment on se sent quelques jours après, avant la diffusion de ce, de ce second volet bah on se sent bien, c'est plutôt sympa, bah déjà on vous rencontre, on rencontre d'autres personnes qui, qui ont un peu d'intérêt, montrent un peu d'intérêt pour le film, puis on essaie d'en parler aux gens pour qu'ils puissent savoir un peu de quoi il retourne et peut-être, euh, on l'espère, avoir envie de le voir, Mais on se sent bien, je me sens plutôt bien, je suis content. Parce que vous n'êtes pas que comédien dans la série, vous êtes aussi producteur, oui, un des producteurs de la, du, du film, donc ouais. euh, c'est important de le préciser aussi, donc il oui, y a fait, un vrai enjeu pour vous, quoi en fait, je suis coproducteur. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai initié avec, ouais. euh, avec Abel Ferry et, et un autre auteur il y, a, il y a déjà deux ans. Et puis, on avait envie de construire... Mais c'est une... Comment dire c'est euh... C'est une démarche qui reste surtout artistique en fait. Je suis pas producteur au sens euh, producteur financier, producteur exécutif. Euh, voilà, voilà. c'est moins des choses. De, je, ça, c'est des choses que je maîtrise pas, heureusement d'ailleurs. Ouais. Et, <laughs> et donc, euh, sinon, ça se passerait peut-être pas bien. Et, euh, <laughs> et donc voilà, mais ça me permet de, par exemple, de faire venir des talents auxquels j'ai pensé, de d'essayer de, de convaincre la chaîne qui a pas, qui, qui est souvent très à l'écoute et qui nous fait confiance, d'essayer d'amener des gens, des nouveaux, peut-être des nouvelles idées, d'essayer de transmettre aux, aux auteurs peut-être une inspiration que j'ai pu avoir et ensuite c'est assez vertueux parce que j'ai eu la chance de rencontrer Julien Serry il y a des années est réalisateur voilà on est devenu très très proche et quand je lui ai proposé je, je lui ai demandé tiens ça te plairait peut-être d'en faire un est-ce que tu aurais le temps parce qu'il travaille beaucoup il m'a dit oui donc c'était formidable et lui a amené d'autres idées. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment vertueux quoi. Bon, on va en parler. On a beaucoup de choses à dire sur ce film. Rappelez que euh, du film d'action ou de la série d'action à la télévision, il y en a beaucoup à travers le monde. Aux États-Unis, ils en font beaucoup. En France, c'est beaucoup plus rare. Il y a peu d'exemples de séries d'action ou de films d'action purs. Euh, qui rend un peu hommage finalement à ces grands blockbusters d'action des années 90. Euh, C'est aussi ça qu'on voit dans le Saut du Diable. Mais pour celles et ceux euh, qui n'auraient pas vu encore, voici la bande-annonce du Saut du Diable 2, Le Sentier des loups, qui passe lundi soir 21h10 sur TF1. Oh yeah! Alors ça y est, tu remplis. Non, non, c'est juste une IPN avec cinq jeunes. Dont ma fille. Une immersion pleine nature. C'est en mode que l'on quoi, c'est trop cool. qui ne sera pas une promenade. C'est beau wow Bouge pas. Papa Les mercenaires ont pris en otage le groupe. Il veut que je leur apporte les statues. Sinon il est durant. Il faut que j'aille récupérer ma fille. Si tu me la fais à l'envers. On exécute un otage. Vous n'allez pas tirer au milieu des œuvres là Inédit, Le Saut du Diable 2, Le Sentier des Loups, lundi à 21h10 sur TF1. Et découvrez ce programme d'ores et déjà sur Salto. Eh oui, il est déjà disponible sur Salto <laughs> si vous avez envie de le, de le regarder, mais euh, on rappelle quand même que c'est important que, surtout en ces temps compliqués, puisque TF1 n'est plus diffusé sur le groupe Canal, c'est important qu'il y ait une audience maximale en, en linéaire, comme on le dit, c'est-à-dire sur TF1, samedi lundi soir, pour qu'éventuellement il puisse y en avoir euh, un troisième. Euh, après le succès du, du, du premier volet, le Saut du Diable, vous avez réfléchi longtemps à l'idée d'en faire un second, ou peut-être même que c'était dans les tuyaux dès le départ, de faire une collection de... Euh... c'est ça, bah, tu, tu as raison. En fait, on espérait euh, euh, quand on a commencé ce projet, on s'est pas dit, bon, bah voilà, on va en faire une série ou une collection, mais on avait quand même émis l'hypothèse que si c'était réussi au fur et à mesure du processus, si c'était réussi avec la chaîne, on en parlait. Ah, Peut-être pourquoi pas, on aimerait bien retrouver ce héros. Euh, bon, on va voir. Et puis ça a fonctionné, donc on s'est dit, bon, bah super, on en fait un autre. Il y a eu des petites choses qui nous ont fait perdre un peu de temps, mais c'était bon, bah de notre. C'est à nous de régler ça. Et puis, une fois que ça, ça a été fait, on est parti sur ce deuxième opus. Et là, d'ores et déjà, aujourd'hui, on prépare un trois et un quatrième pour, pour l'année prochaine. Enfin, voilà. des, choses, des choses qui nous ont ralenti, pardonnez-moi, Philippe Basse, mais enfin, un an et demi pour faire un deuxième film d'action. Euh, c'est pas, très pas, très hein. pas, pas honteux quand même. Il faut le faire parce qu'il faut le <laughs> produire, il faut réfléchir à l'idée et il faut le faire bien et tout. Donc honnêtement, euh, voilà, vous avez pas mis 6 ans. quoi. On a vu des projets plus longs à se mettre non. en route. Hein. Heureusement, sinon je me serais fait taper <laughs> sur les doigts. Non, non, mais et puis si on pensait aux gens, comme si quand, quand le public apprécie quelque chose, on a envie de lui donner tout de suite au, un, autre, un autre volet, pourquoi pas. Sinon, bon, après les gens, ils ont la chance d'avoir d'autres programmes. Donc on va pas... Mais surtout, si j'ai bien compris, c'est 23 ou 25 jours de tournage pour... Oui. C'est très 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 court comment on Alors, travaille en fait, de cette manière-là. Tu, tu as à la fois raison et en même temps c'est à la fois court et long. C'est-à-dire que quand on fait un téléfilm aujourd'hui, on a rarement plus de 20 jours, 21 jours. Okay. Donc c'est énorme. Le premier, nous avions 26 jours. De tournage. Okay. Mais on tournait à flanc de falaise, on tournait dans la montagne et c'était une logistique très particulière, assez complexe. En plus on tournait dans le froid, enfin, c'était spécial. Mais euh, puis on avait beaucoup moins de lumière que lorsqu'on a tourné le second. Euh, ouais. On ne pouvait plus tourner très vite, on était dans la nuit. Là, on n'avait eu que 23 jours, ce qui est déjà encore pas mal pour un téléfilm. Oui. Même si c'est un, un téléfilm d'action, c'est peu. Mais pour un téléfilm, c'est beaucoup, 23 jours. Sauf qu'on avait, euh, avait entre 40 et 50 décors de plus que le premier ah oui. et 25 et à 23 personnages supplémentaires. Ah oui. Donc, en fait, c'était. Euh, euh, Potentiellement, c'était un challenge beaucoup plus et important. Et accessoirement, des scènes d'action. <laughs> et ah, oui, et on reste des dans l'action. Des cascades, Parce que, exactement, Autant là. vous pouvez ouais. vous dire, on, on peut être bon, on fait nos scènes en 3-4 prises, ça peut marcher. Autant une scène d'action, si on veut vraiment qu'elle soit euh, voilà. euh, savoureuse, ah, si oui, faut il faut, faut la y filmer. C'est ça, en fait, c'est en, en termes de, de technique, c'est différent. Quand vous voulez filmer une action, ça, ça prend plus de temps. Alors après, on peut, on peut faire ça avec un sédicam aussi, on peut faire des plans séquences. Mais c'est vrai que ça, c'est le, le savoir-faire de Julien et de toute l'équipe. Ça demande une logistique particulière qui peut prendre du temps. Alors quand on voit votre personnage, on pense évidemment euh, à un autre personnage de, de film d'action parce qu'on se dit qu'ils ont la même proportion, pardonnez-moi cette expression très familière, à se retrouver dans la merde, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est John McClane. Ouais, euh, parce qu'à ouais. chaque fois, on se dit, mais comment ce type fait Ou François a... Pignon. Ou François <rire> Pignon. <rire> mais disons <vous> c'est <laughs> pas la même action. Mais c'est vrai que John McClane arrive <laughs> au Nakatomi Plaza pour Noël, une prise d'otage. Il arrive dans un aéroport, <coughs> euh, une, euh, des terroristes. Ouais. New York, des terroristes. Enfin voilà. Mais, mais on retrouve un peu cette, ce, ce, ce savoureux. D'ailleurs, il, il en joue au début Exactement, du C'est ce que ouais. j'allais dire. Ce que je trouve hyper bien, c'est que justement, c'est joué. Genre ça, ça apporte au personnage C'est son trauma ouais. C'est ça son trauma Et donc ouais. ça découle de là C'est pas genre Ah oh bah par hasard J'étais là Et voilà Et ça je trouvais ça hyper bien fait Parce que ça tend Ce qui fera les opus 3, 4, 5, 8, 10, 12 euh, 47 et voilà Exactement, exactement. Et voilà C'est ce trauma à, ré, à résoudre Avec ouais. la, sa fille Qui le met en exergue Maïra Schmitt voilà, C'est ça ouais. Schmitt C'est bien vu Exactement Ouais ouais c'est ça Après c'est vraiment Des très beaux films John McTiernan C'est c'est extraordinaire. Bon, enfin, lui... Ça a bercé votre enfance. C'est oui, très, très... mon adolescence, voilà, déjà oui. un certain âge. <laughs> Au biberon. Mais, euh, mais disons que euh, nous, on n'a pas cette possibilité. Avec, euh, on a un savoir-faire important, mais on n'a pas cette possibilité. Mais disons que c'est une bonne inspiration, c'est vrai. Et puis surtout, comme on s'inscrit dans un divertissement qu'on peut regarder euh, à peu près tout le monde peut le regarder. Oui, c'est vraiment notre c'est de l'action mais c'est pas violent. Voilà, c'est de l'action, un peu d'aventure, un peu d'espace. Il y a des émotions aussi naturellement. Sinon, une action oui. pure comme ça, ça sert à rien. Il Faut, faut qu'on comprenne pourquoi on se retrouve dans cette situation-là et qu'est-ce qui fait qu'on a très envie de bah, d'aimer quelqu'un, de sauver quelqu'un, de défendre, etc. Et puis, euh, ben, c'est vraiment, ça a été vraiment notre volonté. C'est que ce... là, je regardais avec vous la bande annonce et puis j'étais plutôt content du travail qu'a fait Julien. Vraiment, je suis je suis assez admira... très admiratif de son travail. C'est un des bons réalisateurs de séries d'aujourd'hui, donc ouais, c'est important série, sans mauvais film. jeu de mots. Euh. Exactement, et il est bon. Euh, c'est chouette. On s'est dit. J'espère que les gens. J'espère que les gens vont le regarder, mais après, j'en veux même pas aux gens qui le verront pas, parce que je me dis bon, bah, nous, on a fait du mieux qu'on pouvait. Tu vois, non, mais c'est important parce ces qu'on parle souvent du fait qu'à la télévision, il faut renouveler un peu les gens. Euh, pas avoir que du série, de la série policière traditionnelle, pas avoir. Et c'est vrai que le, le, la, comédie, la comédie et l'action sont plutôt des parents pauvres de la télévision. Et c'est vrai que là, on a un pur <laughs> film d'action. Euh, donc, avec euh, vous, Philippe Bass avec Benjamin Baroche qui joue euh, l'antagoniste de ce film, vous retrouvez quelques années après profilage, puisqu'il avait un rôle de flic à la Dexter euh, qui tuait tu, les trafiquants de drogue. Hein, mais oui, mais j'ai un... ce... Attention, ouais. vous êtes une sacrée. Qui fait... <laughs> ah ouais, <laughs> euh, Là, il fait, il il fait toujours ses bien. devoirs. Qui, si je me souviens Bravo. bien, avait fait un petit retour pour le départ d'Odile Villemain, euh, dans ouais. un épisode un peu bizarre. Mayra Schmidt qu'on avait découvert euh, dans un formidable film sur TF1 aussi, moi je l'ai vu, et qui est dans Léo Mattei et Sarah Mortensen. Euh, que je crois que ah, Julien oui. Serri connaît bien, puisqu'il l'a dirigé dans Astrid et Raphaël. Fait. Et Myra Schmitt a, a eu avec Zoé, euh, Zoé Rann, qui joue dans notre téléfilm aussi, qui est une des, une des adolescentes. Elles ont eu toutes les deux un prix à La Rochelle. Oui, exactement ah oui. pour un elles, téléfilm. Pour son, pour du coup, elles peu. ont augmenté leur tarif pendant le tournage. <laughs> C'était très compliqué. Il a fallu changer l'horloge, leur mettre des choses beaucoup plus grandes. <laughs> c'est pas vrai. <laughs> le, film, le formidable film en tout cas de Myra Schmitt qu'on avait découvert sur TF1, c'est Mention Particulière, où elle joue le rôle d'une jeune femme dont la sœur euh, trisomique passe le bac et elle était absolument formidable c'est une formidable comédienne ah oui. euh, avec Hélène de Fougeron et Bruno Salomon mais justement pour comparer un peu les enjeux entre le Saut du Diable 2 le Sentier des loups et le 1 pour comprendre un peu sur quoi vous avez joué pour faire la, la suite alors on, va, on va remettre quelques petites images euh, du premier volet c'était en juin 2021 6 millions et demi de téléspectateurs quand même devant les écrans de TF1 et on reveut les bruits Qu'est-ce que je fais dans cette randonnée bidon Non Je On ne partira pas d'ici tant que vous n'aurez pas retrouvé. Tu peux y arriver. Je suis avec toi, je te lâche pas. Ok. Accroche-toi, chérie C'est qui ce mec Il est le saut du diable, bientôt sur TF1. <laughs> déconne ma passion. C est c est évidemment ce que l l déjà disponible sur ah, Voilà, c'est le Saut du Diable, c'est le premier volet. Euh, et pour continuer à discuter avec euh, Philippe Basse ce, de ce film, on, je vais vous présenter euh, consécutivement deux photos pour voir si, en termes d'inspiration, euh, on est un peu là-dessus. Alors, okay. revenons au Saut du Diable 1. Ah. Euh, ah. Voilà à quoi, évidemment, le Saut du Diable m'a fait penser. On parlait de John McTiernan, mais il y a un autre réalisateur qu'on aurait pu citer, c'est celui qui a fait ce film-là, le voici. Ah oui! Ah. C'est ouais. évidemment le cliffhanger de Sylvester Stallone, Rainier ouais. Lynn, qui était un ancien chef opérateur. Oui, exactement. De, je crois de John McTiernan d'ailleurs, il me semble. Ouais, J'ai un ouais, doute. Ouais. Euh, C'est tout. Hein. Et, et ouais. là, effectivement, on a un peu ce côté du héros lâché dans la nature, euh, euh, contraint, évidemment, d'échapper à, à, à des malfaiteurs face euh, à une falaise. Donc c'était en 1993. Et alors, il y a une scène d'action, euh, à la fin, alors on spoilera pas, mais il y a une scène d'action entre vous. Et Benjamin Baroche à la fin du, de, du Saut du Diable oui. 2 ouais. au couteau. Et ça m'a rappelé une autre scène d'action d'un autre film des années 90. Ouais. Voilà la photo. Et c'est pièges en Haute-Mer. Pas mal, pas mal. Entre euh, Steven Seagal et euh, Tommy Lee Jones euh, sur un porte-avions. Euh, et je me dis que avec cette volonté de faire un hommage au film des années 90, forcément, ouais. qu'à un moment donné, euh, c'est bien des, des référents qui ont sont venus. Exactement. On avait aussi une autre référence avec Julien. C'est un film avec. Tommy Lee Jones et Benicio del Toro. Tran Ah oui, rented, exact. Où il y a une bagarre au couteau et on pensait à ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Tu n'étais pas loin. Mais voilà, un ouais, pas, ouais. Pas, pas, pas loin, mais c'est vrai que c'est sont deux films, alors deux classiques du film d'action des années 90, ouais, ouais, ouais. que moi, je ne me lasse pas de redécouvrir. Et mais... il y en a même une troisième. Euh, bon, troisième <laughs> Allons-y. Et donc, euh, c'est une troisième, et c'était vraiment une sorte d'hommage. Mais après, c'était complexe à de retranscrire exactement les mêmes codes pour que les gens puissent avoir la référence. Donc bon, après, nous, nous on s'en est véritablement inspiré. C'était un film de chimino qui s'appelle L'année du dragon. L'année du dragon, bah oui, évidemment, et évidemment. Si tu penses à la fin et que tu revois le saut du diable 2, euh, tu verras, il euh, y a des fins similaires. Mais, mais justement, quand on fait un saut du diable 2 et qu'on part du principe que le premier, voilà, on a fait ça, donc une scène d'action à flanc de montagne, etc. Sur quel curseur on joue pour faire le deuxième, parce que forcément, quand on voit Piège de cristal numéro un, quand on voit ouais. 50 minutes pour vivre, on s'attend à avoir, sinon plus fort, en tout cas quelque chose qui monte un peu en. en, en... C'est ça, on avait, on avait pour ambition d'essayer de, de faire plaisir aux gens, de montrer quelque chose où vraiment on va passer un bon moment. Et, et on, avait, on, donc on avait trouvé un nouvel auteur. Et on était parti sur des pistes qui étaient un peu trop. des histoires qui étaient un peu trop complexes. avec avait trop de tiroirs, trop de choses, et qui allaient surtout être trop longues à, à tourner. Ouais. On n'aurait pas pu les tourner. En fait, il nous aurait fallu deux films pour en faire un. Et donc, on a été obligé de, de Julien Céry à faire un travail d'adaptation euh, très précis. Il a fallu dégraisser, en fait, et rentrer dans simplifier les choses pour garder la complexité des personnages et simplifier un peu l'histoire parce que sinon on partait dans des choses où on allait s'égarer euh, et on allait perdre le, le, la tension dramatique, en fait, en réalité. Donc, on, on avait pour, pour objectif de faire quelque chose qui bouge. Moi, j'avais très envie qu'on tourne, qu'on change de décor parce que j'avais trouvé la vallée de la Morienne magnifique. Il y avait un décor qui était abrupt, il y avait des, des falaises... Était on était sur des trous très gris. Exactement, gris-vert. On avait une montagne qui était, euh, paradoxalement, en espaces, mais c'est oppressant. oppressant ouais. Et donc, euh, moi, j'avais envie de, de chaleur, de longue focale, de, de, un peu comme les films de Tony Scott, je voulais quelque chose de chaud. Et je trouvais qu'avec euh, ce qu'on voulait raconter, parce qu'on voulait raconter, pas quelque chose de romantique, mais une nouvelle... Euh, euh, on voulait que notre personnage, il puisse de nouveau avoir des étincelles dans les yeux, peut-être de nouveau tomber amoureux, ressentir quelque chose de cet ordre-là. On voulait aussi qu'il ait à défendre forcément ce qui est plus cher pour lui et on voulait que sa névrose qui était plus d'un côté on va dire que c'était on était sur un côté spirituel intérieur lors du premier, là on voulait que ça prenne une dimension concrète. Euh, c'est comme si on règle un problème à l'intérieur et il apparaît de nouveau dans la vie. Et là, c'est une autre forme. Donc, c'était intéressant de, de développer. Même si c'est bon, il euh, y a qu'un qui le sait, mais en tout cas, je voulais. C'est comme ça qu'on prépare le personnage, évidemment. Un ouais. petit peu qu'on prépare l'histoire. Donc voilà, c'était ça qu'on s'était dit. Et après, avec quelqu'un comme Julien, euh, que j'aime beaucoup, mais euh, parce qu'on est amis, mais le travail, c'est autre chose. Et lui, je savais qu'il serait. Déjà, on a eu la chance qu'il accepte, et parce qu'il bosse pas mal. Et, et lui, il était emballé. Il a dit tiens, on va faire ça, ça, ça. Et on avait des idées comme ça. C'était vraiment chouette. Et on fait les cascades soi-même Comment oui, oui. Ouais. Bah oui. On Après... a envie de se faire plaisir aussi, j'imagine. Ouais. Puis en fait, quand on regarde un film, on aime bien quand, quand vous regardez euh, Nathalie Portman quand elle danse. C'est sympa de voir que c'est elle qui danse. Bah ouais. C'est sympa de. Bon bah a... c'est tout bête. Alors même si ce sont Sauf des cascades. Pardonnez-moi, Philippe Bass. Les assurances tremblent moins quand Nathalie Portman danse que quand Philippe Bass. C'est dans la même jeu. cascade. Non bah, <laughs> en fait c'est moins. c'est en fait je fais des choses qui, qui peuvent être faites. Ouais. Des... c'est en termes de cascade, si vous faites une percussion avec une voiture, c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui roule à 45 km/h, voire 50, et vous mettez devant, auquel elle ne s'arrêtera pas, elle a vraiment une vitesse précise, vous tapez le pare-brise pour rebondir et atterrir par terre, voilà, ça c'est de la cascade. Ça, il faut être capable de le faire plus Non, mais ça. vous êtes modeste. Donc moi, ça, je ne peux pas le faire. Parce que ça, 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 là, effectivement, là, je suis assureur. Je vais dire, oh, excusez-moi, cette réplique est formidable dans le son ouais. du diable 1, ouais. du méchant, quand euh, <laughs> euh, votre personnage saute de la falaise pour attraper sa fille parce qu'elle est tombée en bas, que la corse est cassée. Moi, je le fais pas. Hein. C'est qui ce type-là ouais. Moi, je saute même pas de garde <laughs> à la hauteur de ce que vous non, faites. On est sur de la modestie <laughs> ce, ce soir. Non, mais en fait, quand vous faites des cascades comme ça, vous êtes assuré. Évidemment, donc ça, va, ça va. Ce qu'il faut, c'est essayer de pas se péter un truc. Mais je... vous vous êtes pété un truc, il me semble, non Oui, mais je... <rire> ah <rire> Je suis foulé des choses, mais c'est de ma faute. Mais... mais en tous les cas... Ouais, Ouais, c'est il y a cascade et cascade. Non, parce qu'il faut rien enlever au, vraiment au métier de cascadeur. Après, quand vous travaillez avec un régleur de cascade ou un coordinateur qui, qui vous fait confiance, il vous dit, bon, bon, écoute, moi, je vais faire en sorte que tu le fasses parce que tu veux le faire. Et puis, de toute façon, j'ai envie de le faire. Donc, il veut me dire, on va, on va trouver une solution pour t'accrocher là. Et bon, bah après, il n'y a plus qu'à. Donc, euh, c'est là où il faut des grands cascadeurs qui vous aident à pouvoir réaliser cette cascade. Voilà. Mais c'est moi, ce que je fais, c'est vraiment c'est de l'ordre de l'acteur sportif. L'autre spécificité de l'hommage aux années 90 et à ces, à ces blockbusters américains, j'aurais pu faire le montage, je ne l'ai pas fait, je m'en veux, c'est quand, prend... <laughs> quand on prend le visage des deux méchants. Ouais. C'est-à-dire qu'on renoue avec cette tradition de la gueule ouais. du méchant au cinéma, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont un, un faciès fade, transparent. dit tout gens de suite qu'on ont... qu est moche. Non, <laughs> ce sont tu des gens qui ont des vraies ouais. identités et je trouve que ça c'est vachement bien. Comme on le voyait dans ces films d'action des années 90, je pense par exemple dans... moi j'avais adoré ce film-là dans Speed, de quand on voit. Excellent. denis Hopper. Yann de Bonte. Yann chef opérateur de Opérateur aussi. Voilà et quand on voit denis Hopper à la fin, c'est pas quelqu'un, c'est pas un méchant ouais. fade et tout. Et on retrouve ces deux entre Baroche et le méchant du premier. L'archétype du vrai. L'archétype méchant, du méchant. Ouais. Et d'ailleurs même, j'ai trouvé que même la coupe de cheveux de, de barrage dans ouais. le deuxième, a été pensé pour coller un peu à ces... Ouais, ouais, C'est une ces de James Bond, en fait. Ou même Hitchcock, un peu des, des vrais... Des, ouais, des, vrais, des, 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 des gueules. Ouais, ouais, C'est exactement ça. Il, était, euh, il a fait un petit travail vraiment euh, avec la maquilleuse, avec la coiffeuse pour essayer de, de changer par rapport à son personnage de Tessier. Il voulait un truc... Mm -hmm. Moi, en fait, il faut savoir, je le voulais pour le premier. Ouais. J'étais ravi des gens avec qui j'ai travaillé sur le premier. Mais à la base, j'avais tout de suite pensé à lui. Et lui, il tournait beaucoup euh, qui me disait, je sais pas... Euh, j'ai dit « Merde, putain, essaye de trouver. » puis, il ne pouvait pas. Il tournait tellement qu'il n'y avait pas de place. Et puis, nous, on pouvait pas changer nos dates. Ben donc, non. Euh, du coup, si on était tourné, on avait une limite par rapport à, à la saison hivernale. Donc là, celui-là, j'avais toujours la même idée. TF1 était à 2000%. Donc, du ah coup, bah coup oui. je, je m'y suis pris oui. un peu en amont. J'ai dit « Ah oh tiens, en plus, euh, t TF1 aimerait bien. Tout le monde aimerait bien. Donc là, euh, <laughs> Julien t'aime bien. Tout le monde t'aime bien. <laughs> bien. Donc, du coup, il a, il a réussi à se libérer quatre jours. Et parce qu'il il travaille beaucoup et mais c'était super sympa parce qu'on est vraiment on est copains on aime bien de, de prendre de nos nouvelles et moi je, je savais qu'il serait vraiment le personnage idéal avec cette classe qu'il a naturelle, ce, ce côté un peu très comment dirais-je très très acteur énigmatique oui il a quelque chose de puissant à la fois théâtral mais en même temps qui est là et donc moi c'était parfait. Moi je savais qu'il. Mais je me posais même pas de questions. Il me disait es, "Qu'est-ce que tu penses peut-être Je vais faire ça." Je dis, "Mais je, je savais que ce serait très bien." <rire> moi, <rire> ça, ça me faisait rire. Mais euh, il était formidable. Et donc il a travaillé. Il fait des petites cicatrices. Il a fait un vrai travail euh, euh, précis. Et C'est quelqu'un de super. Hein mais moi je trouve que quand on voit le, le saut du diable. Finalement, quand on regarde l'évolution du personnage de Rocher dans profilage, finalement. Mmh. C'est pas si étonnant que ça qu'on arrive à ce registre-là, parce que Rocher en saison 3 est un flic somme toute assez classique, mmh. mais de, vous l'avez fait évoluer de plus en plus au fil des saisons vers un personnage qui euh, devient un personnage d'action, ouais. euh, avec des cascades, avec des scènes de bagarre. C'est quelque chose que vous aviez envie depuis très longtemps, de toucher vraiment à l'action pure d Disons que euh, parmi ces intrigues policières qui étaient vraiment bien ficelées, il y avait aussi des fois. Euh... Euh, il ne fallait pas que... Parce que moi, ouais. c'était très plombant. C est, c est... Et moi qui ne suis pas dénué de psychologie, bien au contraire, je trouvais que ce que j'aimais ramener avec... Euh, essayer d'apporter au maximum avec mon personnage qui avait des dehors un peu, un peu bruts, euh, c'était le sens de la nuance. Justement, ce paradoxe un peu de trouver chez quelqu'un qui a une, une densité physique, mais il y a un vrai sens de la nuance et du bon sens et de la, de la psychologie. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup dans la vie. Donc du coup, j'ai essayé d'amener ça... Et par rapport à ce, ce, flegma, ce, ce, ce personnage un peu flegmatique, mais en même temps danse, qui de temps en temps avait des scènes d'action concrètes à faire, je trouvais que ça, à mon sens, ça amenait quelque chose à l'histoire, justement. Ça permettait de, de garder le, 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 le fil, même si c'était très psychologique. Donc, euh, oui, je ne sais pas si c'est ça qui a amené Paul Villa, mais en tout cas, j'avais cette envie. Moi, j'avais beaucoup aimé des films comme Randonnée pour un tueur ou, ouais. ou mmh. tous les films que tu as cités. Donc, on était euh, dans une logique. Euh, de cet ordre de faire un divertissement j'avais aussi fait piège blanc avec la oui, oui. belle ferie et on s'est dit tiens mais il faut qu'on refasse un truc comme ça un peu ça bouge un peu on se prend pas la tête il aura pas forcément un enlèvement enfin si mais des, des choses qui sont voilà des, des choses qui sont, qui sont de l'ordre de la convention mais qui vont pouvoir amener quelque chose de sur le plan émotionnel d'assez fort et, et moi ce qui m'a ce plu c'est qu'on a dénaturé qu'on faisait sans arrêt dans les, dans les films d'action en France, et qui moi me gonfle depuis des années. Ouais. Moi, je suis un amoureux des films d'action américains, j'adore ça, c'est ouais. mon, mon trip, et je trouve que quand les Français voulaient en faire, ils ne pouvaient pas s'empêcher <laughs> d'aller nous coller de l'humour à tous les étages. Et, et, et là, dans ce film-là, ce qui est bien, c'est qu'on a... Il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas d'humour particulièrement. On non, il <laughs> y a de l'action. Il ouais. y, bah y a de l'action. On n'essaie pas de gag, en fait. pas mettre un, un humour un ouais. peu... Euh, un peu typiquement des comédies françaises et tout, un peu, un peu lourdingue. On est dans de l'action et on assume de faire de l'action. Ouais. Voilà. Moi, ouais, j'aime bien ce côté un peu euh, décalé, cet humour un peu british. Euh, c'est pareil, c'est toujours une histoire de nuance. Donc, on n'a pas réussi, malheureusement, puisque tu. Non, on a essayé d'amener des petites choses un peu légères. Dans... Oui, décalé, mais, mais on n'est pas sur cet humour. Je pense à une série Potash, qui a été faite. Potache, potache. Je pense à cette série qui avait été TF1 avec Vincent Elbaz qui s'appelait No Limits. Oui, très bien, On ouais. était vraiment dans l'on était plus dans le côté taxi. Ouais. De l'humour, que ouais. voilà, comprends. et ça, ça en général, ça, pour moi, c'est un truc qui m'énerve parce qu'en fait, tout est là pour faire ça un truc d'action et, et ça dégonfle ouais. les enjeux. Oui, et là, les enjeux ne ouais. sont pas dégonflés par les parties d'humour, voilà, ouais, c'est C'est juste, euh, c'est juste parce que euh, après, c'est vrai que la l'attitude la, est parfois quand on construit un projet comme ça, qu'on le développe, en tout cas, on se dit, bon, ouais, mais il va falloir que ce soit plus drôle, sinon les gens vont s'emmerder, ils ne veulent pas voir que des fusils. ouais, mais il faut que ça bouge un peu, sinon les gens. Alors, on essaie de trouver, et des fois, on met un peu de tout, c'est comme quelqu'un qui. Je me souviens d'une comédienne avec qui j'ai travaillé, formidable, très belle. C'était un rôle très important qu'elle faisait, je ne vous dirai pas qui c'est. Ah, bah zut. Et, euh, <laughs> et, et je la regarde, je lui dis ça va. Elle me fait ouais, ouais, mais là, la coiffure, on sait pas trop. Je dis ah bon Je c'est quoi le problème Elle me dit, bah, bah, ça me demandait comme ça en tant que camarade. Elle me dit, bah là, euh, là c'est soit le carré, soit comme ça ambiance Pulp Fiction, soit euh, la coiffure euh, Hunger Games. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas pareil du tout. Ouais, non ouais, ouais. Ah, je dis oui, effectivement, mais les deux lui allaient nickel, et les deux racontaient autre chose. Ah, je dis ah bon, je dis, mais, mais qu'est-ce que tu préfères toi Parce qu'à un moment donné, comme c'est toi qui vas incarner, c'est important que ce soit toi aussi qui, mmh. qui le sente à l'intérieur. Mmh. Parce que souvent, on, on se trompe pas quand on écoute vraiment avec le cœur dans la vie. On a une sensation. Ah, ouais. Je le sens pas. Ouais. Si c'est pas une angoisse. Hein, euh, oui, oui, oui. oui mais tout euh, tout voilà. Et donc, elle dit, je sais pas trop. Et elle avait très envie de faire confiance aux gens qui, qui l'avaient engagée. ce que je peux comprendre Du coup, ils ont fait les deux. Elle avait un carré et, et des nattes Hunger Games. Et là, ça marchait pas. Ah <laughs> <non, non. rire> J'essayais de visualiser. C'est bizarre ça comme coiffure. Et faire si ça. je vous raconte cette histoire, c'est qu'en fait, il faut faire il des choix. ou ouais, exactement. C'est ça, être acteur, il, non Il faut faire, faire des choix. Et même quand on développe, quand on est réalisateur ou producteur, même si on tâtonne, on va faire un peu plus ça, un peu plus par là. On fait des ajustements. Mmh. Mais dans les grandes lignes, faut y aller. Quitte à se planter, mais il faut vraiment faire et une les nette. Oui, Il faut, mais les et faut y aller full. Prient, ouais. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Et, et, sur, et sur de l'action. Comme ça, ça quand, quand on se plante, pas. on se plante bien. Oui, est... mais <laughs> au moins, on sait qu'on a été juste. Mais dignement. Bout. Oui, mais <laughs> parfois, même si ça plaît pas, tu ressens que on. Les gens sont allés au bout du truc, oui, oui, donc, donc il y a un, ouais. un espèce a une de respect, voilà une sincérité qui touchera oui. quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, Après que le film soit le genre pas le genre, mais ça. une sincérité qui touche. Que quand c'est tout un peu, euh, on ne sait pas ouais, ce, ouais, ce ouais, qu'ils ouais. voulaient faire. Ouais, ouais, même si c'est super, tu ne vas pas ça va pas rester. Et alors comme là on est plus sur simplement l'idée, on est sur une collection de films, ce qui est très différent d'une série télé, puisque effectivement les personnages ne sont pas tenus d'être caractérisés de la même façon que sur des sur des séries. Euh, pour éviter qu'on ait l'impression que Paul finalement euh, se retrouve toujours en race campagne et qu'il lui arrive toujours une galère, comment on prépare et on envisage les autres, les autres volets C'est toute la question. En fait, on aimerait pouvoir garder cette espèce de, comment dirais-je, cette identité, cette promesse qu'on a faite au public avec les grands espaces et ce personnage quelque part quand même, il faut bien le dire, assez solitaire et qui va transformer la vie des gens qu'il va rencontrer. Donc à chaque fois, enfin pour les deux opus précédents, nous étions dans Comment dirais-je, dans une configuration, une physionomie d'ordre familial, amical. Là, ouais. il va, on va pouvoir le retrouver dans un endroit où il est complètement perdu, où il connaît personne. Et il va se être confronté à des choses qui pourraient se passer euh, n'importe où dans le monde, qui sont des, des histoires universelles, en fait. Donc, toujours, les grands espaces restent la signature, quand même, de la, de la collection. C'est ce, ce qu'on souhaite avec TF1, c'est apporter quelque chose au, au public où il va vraiment voir euh, un téléfilm, où on va avoir des choses qui sont de l'ordre de. Un peu vraiment cinématographique, quoi. Ouais. Des grands espaces, et qu'est-ce qui se passe dans ces grands espaces Parce que ça nous ramène vraiment à notre... À notre... Exactement, très profonde. <laughs> ça, ça permet de... C'est une allégorie pour parler de soi, et de notre rapport au monde. Et donc, par l'intermédiaire d'une aventure simple, mais qui est, qui est profondément humaine, euh, avec des choses bien, des choses moins bien, des, des gens qui sont corrompus, des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui ont fait les mauvais choix, et qui le regrettent, tout ça, et, et, et se servir du personnage de Villard pour raconter ce récit au travers de, de, de tous ces paysages, ces gens, cette, cette humanité. Donc là, ça y est, vous savez à peu près où ça va être, en tout cas dans le troisième. On essaie le troisième et quatrième. Ça peut être dans d'autres régions en France, ça peut être Outre-mer, ça peut être plein de Ça bien l'Outre-mer aussi, pour découvrir un peu d'autres territoires. Euh, si on, on y pense, mmh. on y pense. Après, c'est tout est logistique, parce qu'il faut qu'on arrive à le faire pour moins de jours possible, et en racontant le, le Mais... mieux des choses qui peuvent être vraiment divertissantes, sympas, de la musique, de l'action, mais pas seulement. Faut il faut qu'il y ait un échange avec le, 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 les, les gens. C'est ça qui nous intéresse. Nous, on va raconter des trucs profonds. C'est quand on le voit, on fait, ah ouais, mais je, je sais ce que c'est de sentir ça. Je sais ce que c'est d'être amoureux, d'être déçu, de, de ne plus avoir d'espoir. Et puis ça revient. C'est ça qu'on qu a envie de raconter. Même si c'est qu'un téléfilm, même si ça bouge ou que ça tire, et il y a de la bagarre, ouais. moi, c'est ça que j'ai envie qu'on raconte avec peut-être le retour de Sarah Mortensen euh, pour le troisième, parce que ça s'est plutôt pas mal terminé entre vous deux. Donc, euh, vendredi, vendredi, tout euh, est permis. Vendredi. Ah. <laughs> Exa exactement. <laughs> tout, est, tout, est, tout, est, tout est possible. Euh, D'ailleurs, un gros travail a été fait aussi sur la musique. C'est important. On, a, on oui. voyait les images euh, tout ouais, à l'heure sur montrais. Dans, mais c'est important parce que là aussi c'est un compositeur euh, on a américain. On enfin, a voilà, eu beaucoup de euh... chance. En fait, c'est un comp compositeur français qui s'appelle. Ah d'accord, ouais. c'était un américain parce vois. que c'est normal. J'ai été induit en erreur puisqu'il s'appelle Sacha Paban. Il est français, mais il travaille aux États-Unis. Et en fait, c'est un copain de Julien Seri parce que Julien Seri a fait un long métrage aux États-Unis. Il n'a pas été distribué en France, mais il a quand même tourné là-bas. Et donc, il avait, il nous a fait euh, par amitié. Il a eu la, la gentillesse de, de faire venir un orchestre symphonique. Il a fait un enregistrement en studio à Los Angeles parce que c'est quelqu'un qui travaille à Hollywood. Il, mmh. a fait, il a participé au Marvel. Enfin, c'est du, <laughs> c'est du, et... c'était super <laughs> sympa. Et donc, il m'a dit, ah bah ouais, mais si si, moi je veux bien le faire, votre truc, y a pas de problème. Tac, on lui envoyait les images au fur et à mesure et il nous envoyait des, des choses. Et puis le jour où il a fait venir l'orchestre, Julien qui travaillait à ce moment-là à Lille supervisait ça. Dans un studio à Lille, Sacha était à Los Angeles. Il enregistrait avec un preneur de son un orchestre symphonique qui est venu pour faire, pour faire la musique du, du téléfilm. Et donc, quand je vous en parle, j'ai un peu des frissons parce que c'est comme, comme si, on, moi, la première fois que j'ai vu Braveheart au cinéma, je, on ne peut pas passer à côté de cette ouais. musique. Le, le cinéma ou même la télévision, c'est ça. C'est une image avec, avec une, une musique, comme un James Bond. Ouais. Et ouais. là, la, la, la chance qu'on a eue que Sacha nous fasse l'amitié de, de, de faire ça... Ça permet aux gens, si jamais ils ont une télé. Euh, un, Aujourd'hui, les télés les télé, les télé sont pas mal. sont souvent bien équipées. Un, équipés, un ouais. peu correctes et avec un son sympa. Vraiment, si on fait un, un tout petit effort pour écouter ça, mais là, une fois que c'est rentré, c'est fini. On, on a vraiment la. la... On est dedans. Ah ouais, on a envie de courir et de sauter d'une falaise. Hein, faut ça me fait limite, faut très, très plaisir. Moi, moi, je dirais que la musique, de par l'orchestre symphonique, répondait aux grands espaces. C'est oui. comme deux personnages qui se parlaient en fait. C'est ça exactement. J'ai l'air folle quand je dis ça. je en Non non, pas non, 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 non. non. tu n'as pas l'air folle euh, du tout. Et, ouais. et tu le sens vraiment que c'est ouais. comme ça que tu rentres dedans. C'est par ces deux personnages qui se ouais. répondent. Et c'est et c est, c est et, beau. Du coup, et du coup. tout à l'heure, vous disiez, on sait pas faire en France, moi, je trouvais que artistiquement. C'est du très haut niveau. On voit bien que c'est très soigné jusqu'au moindre détail. C'est pensé, c'est réfléchi et c'est harmonieux. Donc je ne trouve pas du tout qu'on ne sache pas faire en France. Je pense pas qu'on ne sache pas faire. Moi, j'ai des amis, des collègues, je trouve qu'ils sont très brillants. Mais c'est vrai que ce n'est pas souvent produit en France. C'est parce que les gens veulent pas trop le faire. Et c'est pour ça que moi je rends toujours grâce à TF1 qui a eu l'audace de. Encore une fois, d'essayer On leur a proposé. Ils nous ont dit oui. Et c'est vrai que ça ne ressemblait pas du tout à la grille. Donc, on, Moi, des gens avec qui j'étais, ils me disaient, mais ça, ils ne voudront c est, c est pas... Vraiment, euh, ouais. artistiquement, c'est vraiment, il y a un niveau... Il y a une volonté euh, de euh, faire un film d'action et de voilà, et, 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 voilà. et pourtant, pas, euh... ils font des choses très différentes. Hein. Ils vont dans des, dans des séries nouvelles, un peu vraiment audacieuses. Mais là, nous, on était dans un truc bon, qui se fait pas trop. Bon, allez, pourquoi pas. Et puis du coup, parce qu'après que, tout, on le fait pour les gens seulement. Hein. Donc là, oui. les gens, ils ont aimé... Donc j'espère qu'ils aimeront celui-là aussi. Et d'ailleurs, on ne cesse de le répéter, mais c'est vrai que ces changements initiés notamment par les équipes. Euh, d'abord de, euh, de, de, de l'ancienne la, patronne de la fiction mon dieu c'est horrible j'ai oublié son nom c'est affreux mais en tout cas de TF1 de TF1 ou de, de, ta, de TF1, hein, hein, de TF1. Euh, Marie euh, bon bref et puis Anne Marie, Vio Marie <laughs> Ma Marie non, mais, <laughs> mais, euh, hein Marie si tu savais et, et aujourd'hui Anne Vio Alors, en tout cas c'est qu'ils ont voulu monter en puissance et proposer des choses différentes et l'un des premiers projets qui avait fait ça c'était profilage justement parce qu'ils allaient très très loin dans les, dans les séquences, moi je me souviens toujours, et j'aurais toujours en mémoire cette séquence de, du final de la saison 5, où euh, le personnage de Chloé, euh, en, en crise de manque et euh, en, en schizophrénie, euh, pour, plantait euh, Rocher à la fin <laughs> du final, euh, <laughs> après que euh, son personnage, Qu après que le tueur en série ait massacré l'une des collègues de bureau à coups de, 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 oh de rondin de bois. Ce final était assez dingue. D'ailleurs, pour finir cette émission, on va voir un montage de trois photos, trois rôles. Pour finir, c'est tu... déjà fini. Mais bah c'est déjà terminé. On continue. On a encore des choses à se dire. J'ai des scoops. Ah bah. Ah bah. Ah. Mais quand même. On trois... les Alors scoops, on va hein. terminer là-dessus. Mais quand même. Non, un montage rigole. de trois <laughs> rôles. C'est pas vrai. Non, mais je vous dirai, je vous raconterai tout ce que vous voulez. Trois rôles. Oh là là. Trois, rôles en... trois rôles que tu as incarnés. Petit montage de télévision. On va les voir. Voilà. On en a ah trois. trois. On a ah oui, Gréco. Et j'ai pris l'autre parce que c'est la loi selon Bartoli. Oui, tout à fait. Euh, Super souvenir. Avec Stéphane Fraisse, euh, Alexia Barlier aussi ouais, qui était dans oui, ce oui, rôle. Génial Alexia. Qui On était génial très bien. dedans ah ouais. euh, Braco, moi c'est le rôle dans lequel je Gréco. je. Gréco, pardon, dans le rôle dans lequel <laughs> j'ai découvert. Ouais. Un flic qui parle aux morts ouais. et qui essaie de racheter <coughs> les âmes. C'était euh, ah, euh, une proposition France 2 très audacieuse. Ouais, C'était euh, mon ami Alain Pancrazi qui était producteur, qui est toujours producteur, qui avait, qui avait euh, initié ce projet avec euh, Philippe Sedbon. Ouais. Et en fait, ils avaient déjà des idées. Euh casting de Philippe Sedbon avait travaillé avec un acteur formidable et donc ils avaient déjà des idées. Mais moi ce sujet-là ça m'intéressait. Et donc du coup j'ai eu une... On, on m'a dit à l'époque, mon agent d'époque m'a dit, tiens, il y a ce truc-là, je dis, ah, mais moi ça j'aimerais bien le faire ça. Donc j'ai eu rendez-vous avec la directrice de casting qui m'a dit, ouais, enfin bon, euh, bon c'était déjà assez avancé tout ça, donc euh, je veux bien te recevoir, mais parce qu'on est des professionnels, mais bon. Et moi j'avais vu une amie à moi qui était maquilleuse avant, juste avant le rendez-vous. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une cicatrice parce que je savais que le personnage il ah, avait été blessé. Une cicatrice. Ouais. Et à l'époque, j'étais même, j'avais même pas de pantalon noir. J'ai été m'acheter un pantalon noir <laughs> juste avant parce que le mec était tout en noir. J'avais un manteau euh, presque le même. Et donc je suis arrivé, la directrice de casting n'a pas fait gaffe tout de suite. Elle a dit mais pourquoi tu te mets comme ça Je me mettais comme ça. Ah oui, t'as fait le on oh, dit, Je ne oh, sais même pas si c'est Véron. Enfin, tu vois tout le <coughs> et en fait bah... et tu parles qui tout le monde a vu et j'étais tellement déterminé. C'était pas que je voulais ce rôle, mais je savais que c'était pour moi. Parce que j'avais une... vécu des choses, des expériences, pas surnaturelles, mais avec des gens qui ont cette... Des expériences de mort imminente. Avec des gens qui ont connu ça, avec des gens qui eux-mêmes ont des dons de médiumnité. Et donc, il s'est passé plein de choses. Juste avant, j'avais tourné un long métrage où le décor du long métrage, c'était Parvite et revient tard de Régis Varnier. Il y avait un décor qui était la manufacture des œillets à ivry. C'est le décor dans lequel vous nous voyez là. Oui. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans le même décor pour faire cette série. Et il y avait un des personnages de policiers. Je suis bavard, est hein, ah non, non, ah non, non. Non, non, non Je regardais bah la non. photo en même temps pour ah essayer de voir le. Il y avait un, y avait un, un policier que j'ai rencontré au 36 qui est des orfèvres. Hein. Attention, c'était sur des grosses affaires et on les, a, on les a rencontrés grâce à Parvite et revient à Regis Varni Nous a fait rencontrer cette brigade et tout. Et, euh, et il avait des dons comme le personnage de Gréco. Ouais. Et je l'ai rencontré avant de passer les essais pour gréco cest que je savais que c'était dans l'air. Et donc, on a eu des discussions formidables. Il s'appelle Patrick. On a, on a gardé un lien. Et c'était. Euh, j'avais rencontré une femme qui avait écrit un livre qui s'appelle Sylvie Berger, qui avait écrit ouais. un livre qui s'appelle Les messagers de l'au-delà. Si vous voulez, je vous, vous ah oui. l'offrirai. Ah. Et c'est un livre qui a changé beaucoup de choses. Parce que euh, comme dans, des fois, il y a des accidents dans la vie. Et puis, la vie, c'est naturel. Donc, des fois, on perd les gens. Moi, j'ai perdu mon père. Comme Voilà, quand on a tous quelque chose. Et ça m'a permis de, de voir ça sous un angle complètement différent. Et je me suis rendu compte à un moment donné que ce personnage, bah, même si ça n'a pas continué, personne d'autre que moi pouvait le faire. À ce moment-là, en tout cas. Ce n'était pas une question de capacité. une question de Tout d'un ouais. coup, j'avais vraiment ce rapport avec euh, les entités, le, le, le fait que les rencontres que le personnage avait avec une entité qui permet de dénouer une affaire. Alors, c'était évidemment en euh, fiction et c'est des trucs un peu comme ça, mais, mais c'était très chouette à faire. J'étais très impliqué sur ce plan-là. Par rapport au, au non visible, en fait. Sinon, ça se passait normalement. C'était un tournage tout à fait normal. Mais par rapport au reste, moi, ce que j'avais dans le cœur ce que je pensais quand je tournais je sais que pour moi c'était important j'avais voilà. adoré moi cette série franchement je l'avais beaucoup ah, aimée. c'était la grande époque où France 2 avait aussi initié une autre série juste avant avec Diffental, avec Diffental qui s'appelait ouais. David Noland ouais, ouais, et, et Greco c'était une série alors pour, juste pour refaire le pitch pour ceux qui ne l'auraient pas vu donc le, le rôle du capitaine Greco il est blessé en mission il passe un peu du temps dans le coma et là il a une expérience de mort imminente un espèce de couloir comme le couloir de mort imminente et là il aperçoit Cinq ou six âmes différentes ouais, dont ouais. il ne distingue pas le visage. Et en fait, à chaque épisode, il va devoir sauver l'une de ces âmes. Ça, ouais. Et la sixième, <laughs> il me semble, est liée à Greco euh, pour le final de la saison on peut, 1. Voilà. On peut le dire parce qu'en fait, il cherche sa femme. Oui, c'est ça. Sa voilà. femme a disparu dans la vie. Mais bon, donc il a ses entités. Donc il voit ces cinq, six ombres comme ça. Et puis. Et à chaque fois, il y en a une. Et, et... Qui s'éclaircit un peu Voilà, plus, qui s'éclaircit plus. Et il a la, 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 la connexion après dans, ouais. le, dans le monde du, du, du réel tout de suite pour régler cette affaire. Et la sixième. Enfin, enfin, non, la sixième, c'est une autre histoire aussi oui, qui, qui règle. Et ensuite, à la fin, clac, ça me fait des frissons. <laughs> Cliffhanger. Et à la fin, tout d'un coup, clac, il se retrouve encore avec ses visions. Et là, il voit une entité, une deuxième, une troisième. Et tout d'un coup, il en voit. Euh, il, 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 en fait, il voit d'abord sa femme. Donc, ça veut dire que sa femme est morte, puisque s'il le ouais. voit. Euh, et ensuite, il se retourne, il voit derrière. Ouais, ça me fait des frissons. Et <laughs> il, voit, il voit vraiment. Euh, il voit une centaine, cinquante. Euh, il voit des milliers. Dame. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui se réglera jamais. Et puis, bon, il bah, n'y a pas eu de saison 2 euh, ni de suite. Non, mais, mais ça offrait parce la possibilité d'en faire. Ça de... Je ne sais, si sais, est... sais pas où elle est. Mais je l'ai même pas sorti en DVD. Je Mais, mais c'était mais mais vachement bien. fait avec le cœur. C'était sympa. Non, ouais. Ça se sent quand même. C'était génial. Gréco, moi, j'avais adoré à l'époque. J'avais trouvé vraiment que du fantastique à la télévision, on n'avait pas tant que ça. Donc, la loi, selon Bartoli. C'était une espèce de série judiciaire un peu héritée ouais. de Dr House oui, avec Stéphane bah ouais. Fraisse qui est vraiment ouais, ouais. très antipathique mais excellentissime. <rire> <rire> non mais dans la série, il est ah, c'est ouais. la oui. série. Est Bartoli ouais. est absolument épouvantable mais il c est, est ça. génial. Est ça. Il parle mal à tout le ouais. monde mais il est formidable en avocat. Je crois que vous deviez être son détective privé dans la série. Non, j'étais son... un flic en fait. Ah, tu un flic, c'est ça. J'étais un flic déjà. Et, euh, et donc <laughs> du coup il m'avait euh, à la bonne aussi parce qu'il m'aidait pour des affaires puis c'était sympa, ouais, ouais, c mais on tournait à Aix-en-Provence, c'était chouette c'était génial, et profilage, évidemment ça a duré de la saison 3 à la saison 10 ouais, ça. vous êtes le seul à avoir connu les trois héroïnes de la oui. série, mais, euh, oui. Odile Villemin, connue, Juliette. Mais... Euh... Oui, bah, ouais. ouais, c'est ça! <laughs> ah, le scoopa! Non non, 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 bien non. connu! Pas mais, mais, bah, 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 forcément. avec Odile ouais, euh... ouais, quand... ça a duré euh, 4, 4 ou 5 saisons. Ouais, ouais, 4 ou 5 Ensuite, il y a eu Juliette, ouais. et puis il y a eu Scheim ouais. euh, en 10ème ouais. saison. Le, le simple fait de ne pas avoir pu euh, finir euh, la série, c'est... j'imagine que c'est quelque chose qui a dû vous. Vous chagrinez un petit peu parce que vous savez que ça s'est mal terminé. La saison a été diffusée après le premier confinement. Ouais. Alors, la programmation, c'était différent. C'était tellement complexe la situation que les gens vivaient que moi, bon, si ils programment à ce moment-là, c'est qu'ils pensent qu'ils ont bien fait. Et bon. C'était... Je, je, <laughs> je partage leur opinion. Mais en, en revanche, on avait terminé cette saison sur un... Comme je le dis souvent quand on évoque profilage avec moi, on a terminé cette saison sur un commissariat qui brûlait. Jean-Michel Martial, notre ami et collègue, était décédé cette année-là. Donc son personnage, on a fait euh, mourir son personnage oh, d'une oh. un café s'il vous plaît. <laughs> on a fait mourir son personnage d'une manière euh, voilà héroïque qui, qui lui ressemblait. Et un commissaire qui brûle. Je ne sais pas comment on aurait pu terminer. En fait, c'était moi, j'aurais dû me rendre compte quand je... quand on l'a fait, c'était un signe en fait. Ça veut dire bah c'est fini. Ouais. Et euh, ce que je peux dire, c'est qu'avec Tamara, je me suis vraiment très très bien entendu. C'est une fille. Les autres étaient super. Hein. Chacune a amené quelque chose de très en, différent. En oui, en termes d'acting, de... elles étaient vraiment formidables. Parce que j'ai tourné beaucoup bah avec oui. elles. Donc je les ai bien connues, elles étaient sympas. Elles ont, elles n'ont pas, pas, pas ménagé leurs efforts. Enfin, elles ont été à fond. Et Tamara, qui elle, entre guillemets, débutait... elle, Mais en une seconde, c'est comme si elle enfilait, clac, un gant. Elle était tout de suite dans le truc. C'est vraiment... Surtout que tout le monde l'attendait au tournant, pardon. Oui, mais oui, il faut ouais, expliquer ouais. quand même que... On va moi d'ailleurs ça a été la première chose que je lui ai dit quand on s'est rencontrés. Ah ouais. c'est je lui ai dit désolé de pas avoir cru en vous parce que c'est vrai qu'on s'était dit c'est encore un coup de com ouais, de mettre tu... Chaim dans un rôle et non. en fait elle s'est révélée parfaite dans le rôle euh, dans le rôle titre mais de ouais. cette série avec, à, à vos côtés quoi. Après nous les artistes genre, entre guillemets on s'en fout parce qu'on se dit tiens bah tiens il m'attendent pas tiens bah, je vais lui montrer tiens. tu c'est aussi une source de motivation ouais. parce Exactement. que personne n'attend personne donc donc pourquoi pas et elle elle en plus comme c'est une femme très belle donc on va dire bah oui mais peut-être elle est jolie donc veut dire qu'elle joue pas bien enfin mais c'est des clichés toujours des a. clichés qu'on a ouais. alors qu'en fait qu'on a tous en fait c'est pas grave mais elle était super elle avait tout de suite ce sens justement de la nuance du, du second degré de une fille euh, que j'ai trouvé euh, c'est une copine vraiment je l'aime beaucoup elle est géniale et elle joue euh, j'ai euh, j'ai passé une saison avec elle qui était formidable il ouais, y, y a eu cette dernière saison, donc c'était la ouais. dixième. Avant de refermer cette émission, revenons donc au Saut du Diable 2 qui passe donc lundi soir oh yeah. sur, <laughs> sur TF1. Euh, imaginons, voilà, tout est possible. Euh, vous aimeriez qui comme méchant pour la suite vous y Alors, sans avoir si vous y avez déjà pensé, mais est-ce qu'il y a des comédiens que vous aimeriez voir face à vous euh, On y pense. On y pense, mais en fait, il y aurait plusieurs méchants. Il y aurait des méchants qui incarneraient une dimension physique, ouais. une autre une dimension davantage psychologique. Il euh, y aurait des hommes, il y aurait des femmes. En fait, on est à un stade de l'histoire où j'ai pas. C'est vrai que pour Benjamin, c'était assez évident. C'est venu tout de suite. Ouais. J'avais en tête Benjamin, même pour le premier. Euh, là, c'est déjà, on, on a eu enfin ce qu'on voulait. Euh, les méchants du premier étaient super. Moi, je les aimais beaucoup. Ils formaient un duo. Ouais. C'était. Donc là, je cherche. En fait, là, on cherche vraiment à, à constituer euh, l'histoire qui va nous permettre de rencontrer une entité particulièrement euh, corrompue, particulièrement euh, méchante ou quelque chose et c'est en fonction de ça on va on va voir se dessiner un portrait d'un homme ou d'une femme qui va dire oh ouais tiens putain elle ce serait bien oui parce qu'un méchant dans les films une méchante dans les films d'action il n'y en a pas tant que ça ouais, et ça pourrait être Charles un sacré et... challenge d'avoir une femme méchante ouais. euh... bah là on en a une alors, je, il faut que je rende grâce à, à elle était formidable à Olivia Courbis, qui était une femme alors faut savoir qu'Olivia Courbis, que vous voyez dans le film qui est, qui fait partie mm. du trio des méchants c'est une danseuse professionnelle moi je l'ai connue sur un spectacle de Reda que j'étais voir à l'européen oh mais est, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire que c'est une danseuse, euh, sa place, c'est à l'Opéra de Paris. Ouais. En fait. Et donc, elle avait envie un peu de jouer de temps en temps. J'ai rencontré sa, sa mère qui m'a parlé d'elle, tout ça. On était copains. Et je lui ai dit tiens, tu ne voudrais pas peut-être euh, jouer avec nous C'est un petit, un petit rôle. Mais euh, elle m'a dit ah bah ouais, si, pourquoi pas. Elle est, elle est géniale, en fait. Elle, est géniale. Elle, a, elle a ce décalage. Et en plus, elle a quelque chose de l'ordre du mouvement où on sent que la, la danseuse qu'elle est. Donc, <laughs> on trouvait ça bien qu'elle puisse garder ces espèces de dans la fois de gestuelle et puis ce côté, ce port de tête euh, incroyable. C'est une fille, j'espère qu'on qu verra dans d'autres dans films. Et si vous avez vu un film que moi j'aime beaucoup, qui est Une Journée en Enfer, qui est donc le troisième opus ouais, de Die Hard, ouais, ouais. la, la, la partenaire Irons. de jeu de Jeremy Irons, de Jeremy Irons, de Jeremy Irons qui s de, de Simons, puisque c'est Simons, Jacqueline, et bien il y a une partenaire, une petite ouais, blonde. Ouais, la blonde aussi. avec les petites lunettes. Ouais, exactement, et elle m'a fait penser à elle oui, dans, ouais, dans, ouais. Dans, dans, dans Le Saut du Diable ouais, 2. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vrai, il y a ça, il y a de ça. Et puis elle est très très sexy très très forte. C'était le, le personnage idéal. Et puis les ados qu'on a eus, Edouard Montout, on a Jérôme Anger qui est venu. Nous ouais. Faire, euh, qui joue. Le, 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 là aussi, on est sur un, un. Je dis pas un cliché, on est sur un archétype ouais. du film d'action, c'est-à-dire le militaire qui a quelque chose à cacher ouais. et, et qui fait que le héros est plongé dans la merde. Jérôme. Voilà, est super. Et il, est, il est top dans ce rôle-là. On ah ouais, l'a pas ouais. vu dans ce je genre suis dit, de choses. C'est con euh, finalement. Enfin, je peux pas dire pourquoi mais, euh, mais c'est un film hein, voilà, il, il faudra que je puisse euh, j'aimerais travailler avec lui. Ouais. Karim Belkadra, on a vraiment du monde Sarah Mortensen évidemment. Et on a Scotty, on a ah oui un autre café. <laughs> c'est la clim euh, qui déclenche <laughs> à chaque fois dans ce loft. Ah, c'est la clim, non c'est pas la machine à café, c'est ah, la génial. clim. Génial. C'est bon. bien une clim, c'est bien une clim. Bravo. Bon moi, vous n'avez pas chaud, ça ouais. change du décor donc de, du saut du diable 2, le sentier des loups ouais. euh, qui est sur TF1 donc ce sera lundi soir à 21h10. 21h10 et puis 20h10. il y aura aussi euh, ce prochain unitaire pour euh, France 3 avec Elodie oui. Varlet. Euh, Alors non, euh, celui-là, euh, c'est pas avec Elodie Varney, avec, Elodie il sera Valet, avec, non. Euh, non. avec euh, Aurore Delplace. C'est Aurore Delplace, d'un de ah ouais. si grand soleil. Mais je suis fière de toi, parce qu'enfin tu vas parler d'un meurtre. Non, mais voilà. Hein non, là, la ciota avec la... Philippe la... et Elodie C'est parce que je les ai Alors, confondus, ces projet là ça, Aurore Delplace, d'un si grand soleil. Mais c'est pas un meurtre là, ce sera une. Un crime A Non, non, c'est un unitaire. C'est un unitaire, ça n'a jamais été fait, un truc comme ça, pour la France Télévisions. Il y a des scènes de wingsuit et de parachute ah, génial. qui ont été ah, vraiment, véritablement tournées avec des acteurs. Aurore Del Place a fait vraiment du wingsuit en, en tandem. C'est-à-dire que vous so ah oui. sortez de l'avion, vous avez une cape comme ça et vous, vous allez à 300 à l'heure. Et il faut, faut que ça tienne bien, sinon euh, oui, ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et donc elle a fait ça. Chose. On a été filmé ça. Ça a été fait. filmé voilà. vraiment avec des parachutistes. Et il y a une histoire policière qu'on interprète, elle et moi, euh, qui s'inscrit dans ces braquettes. Alors là, on est plus dans du. Euh... Enfin. Dans du pawn break. Du point... oh. Ah, bah oui, c'est pas mal. Ouais, ouais, vraiment pas du mal. Break. Parce que, pas mal. Parce qu'en fait, c'est des braqueurs qui s'en vont en parachute. Et c'est là je me dis qu'effectivement, avoir de la place. Dans, un, dans une suite du, elle du est formidable du elle est géniale parce qu'elle est, est, est complètement kamikaze et c'est une fille qui a une, une, une folie naturelle qui, qui, qui est communicative enfin, est ouais. une, et, est elle, une joue super... bien, ça et elle joue très très bien donc voilà donc dommage, ça arrivera dommage qu'elle soit méchante comme ça mais <laughs> sinon à part ça ça va <laughs> bon en tout cas en attendant euh, ce... Donc, ce point break à la française entre ouais. Philippe Basse et Aurore euh, Delplace et eh bien le saut du diable 2 euh, ce sera lundi soir en attendant peut-être si vous le voulez sur euh, Salto, Salto. Euh, vas-y alors oui, dernière oui, question Enfin, Est-ce que du coup la relation avec la fille pour l'opus 3, l'opus 4 et le 12 La fille, compte... Mayra, la fille Schmitt. Mayra Schmitt. Ah oui. Continue. Parce que moi, ce que j'ai adoré, ouais. c'est que dans le 1, l'intrigue commence parce, parce qu'elle ne veut pas aller à la rando. Et ouais. dans le 2, euh, l'intrigue commence parce que c'est elle qui veut aller à la rando. Et pas son père. Et, mais du coup, ça veut dire que c'est à travers elle qu'on voit l'évolution du personnage du père. Et, et moi, je suis très attaché et... au personnage, comme tu sais. Bah, as et as du coup, je me suis dit que dans le 3, c'est sûrement ce binôme, en fait, finalement. C'est eux, le vrai binôme, et, et, qui exactement. va. Il euh... y a deux physionomies possibles. On voudrait, euh, on voudrait aussi pouvoir laisser respirer les personnages pour qu'on mm -hmm. puisse mieux les retrouver. On Ou voit que après sur un plan ouais. tout simplement technique, on se dit à chaque fois tiens oui, il, a, il a kidnappé sa fille, là on l'a encore kidnappé, là c'est sa femme, Elle là c'est sa mère, quoi. là c'est <laughs> la mère de sa fille. Enfin bon, ouais. euh, faut essayer de trouver des choses pour laisser partir les personnages et les faire revenir. Mmh. Et pourquoi pas après si on s'inscrit, là c'est plus dans l'ordre de la série, là il y a vraiment le binôme et nous on n'est pas là dedans, on est vraiment dans la collection. On va essayer de raconter oui, oui. un film unitaire à chaque fois. Donc c'est très juste que tu dis. Il faut qu'on arrive à garder ça. Sans que ce soit gratuit à chaque étage. voilà c'est ça. Et, et que, ce soit... que ça fasse formule, quoi. Bien amené. Ouais. Bien amené. Oui, ouais. bien amené. Dans ce cas ça fonctionne plus. Tu as, as d'ailleurs répondu R.H. Schmidt oui. ne sera pas là dans le troisième épisode. Si, si, peut-être. mais, mais, mais pas, pas, va, pas vraiment. Voilà. Ouais. Il faut trouver. Peut-être qu'elle euh, sera. Euh, peut-être qu'elle peut sera pas dans le troisième. Peut-être qu'elle sera dans le quatre. Peut-être qu'elle sera le En fait, c'est le, le, mais... le syndrome 24 heures chrono. Euh, Jack Bauer avait une, euh, avait une fille qui était toujours dans la mouise à chaque fois qu'il y Lui est ouais. obligé de sauver le monde. Et ça devenait handicapant. C'est-à-dire que dès la deuxième saison, elle se retrouvait coincée face à un jaguar pendant trois épisodes. C'était infernal. Et donc, Donc voilà. Donc là, il faut éviter que ce genre de choses se reproduisent. Mais effectivement, de toute façon, c'est une super comédienne, donc on espère qu'elle ouais. ne sera pas trop trop loin de Paul euh, euh, à l'avenir. Euh, le Saut du Diable 2, le, le Sentier, sentier des, des, larmes loups. des Loups, c'est... La... <laughs> ne pleure pas, ne pleure pas Alex. <laughs> des larmes. Non, non le sentier du des, et des larmes, c'était ça euh... le titre qui te fait... Mais oui, ça, et puis je sais pas, ça me fait penser à des films d'action aussi, je sais pas. Bon, ouais, bref, ça, euh... Le Sentier des Loups, loups. cette fois-ci je l'ai bien, c'est lundi soir à 21h10 sur TF1. Avant de se quitter, un petit conseil. Pour les fêtes de fin d'année, le livre vient de sortir. Ça s'appelle Série illimitée. C'est un conseil de plus de 250 séries à pouvoir consommer et à pouvoir regarder. Donc, des séries des 30 dernières années que vous pouvez regarder séries américaines, étrangères, de Breaking Bad à Game of Thrones. Avec une préface d'Alexandre Astier. Avec une préface d'Alexandre Astier, s'il vous plaît, le livre vient de sortir. Voilà, merci beaucoup, Philippe. Je t'en prie. On merci était ravis de t'avoir avec nous. Moi on a parlé longuement de ce de ce film là. Vous merci. êtes sympa alors qu'on m'avait dit pas du tout. <laughs> C'est Vraiment sympa. en fait. Fausse mais faut <laughs> pas. Fou, pas su, aux légendes urbaines. Ouais. Euh, merci en tout cas à tous ceux qui ont permis à cette émission de se faire. Merci à Maxime euh, qui était à la à l'arrière. Merci Réal. Maxime. Et on se retrouve nous très vite pour un nouveau numéro dès la semaine prochaine. D'ailleurs nous aurons un, un grand compositeur de musique de film Éric de Marsan qui a travaillé avec Jean-Pierre Melville et aujourd'hui avec Hervé Admar à qui nous allons consacrer une grande émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro. De la loi des séries.